Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette première vidéo de la rentrée. 1, 2, 3, fuck it. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, une bonne journée. Je suis trop contente. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier haul de la rentrée. Je suis hyper excitée, j'ai des pièces canons à vous montrer. Tout vient de chez Jennifer, merci à eux pour cette commande. Je ne suis pas payée pour vous montrer les pièces, mais juste j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce qu'ils m'ont envoyé que je me suis dit que j'allais vous les montrer en vidéo. Ça vaut vraiment le coup. J'ai tout réparti en fait en tenue pour que vous ayez vraiment des exemples de tenues pour la rentrée et que ça vous permette de voir vraiment les pièces en situation cette fois, plutôt qu'un haul classique où je vous montre les pièces séparées. Et voilà, c'est trop canon, on va commencer directement. J'ai pris une paire de chaussettes, donc c'est pas du tout une tenue pour le moment. Mais c'est le seul accessoire que j'ai pris, je l'ai trouvé canon. Vous avez une paire comme ça, tie-dye. Alors ne faites pas gaffe à mes ongles, pitié. Je vais les faire cette semaine. Enfin, j'ai rendez-vous après-demain, il me semble. Franchement, j'en peux plus là, parce que ça ressemble à plus rien. C'est une cata, donc bref. Cette paire de chaussettes hyper mimes, vous avez une paire rose et une paire tie-dye. J'aime beaucoup avec une petite paire de sneakers, c'est trop sympa. Première tenue, j'ai voulu faire un style vraiment décalé. J'ai pris cette jupe en simili cuir, je vais vous donner tous les prix. Je l'ai pris en taille S, elle était à 19€. Elle est très 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 mimes. Donc vous avez la ceinture avec. Elle est un peu évasée il me semble, pas tellement moulante de ce que j'avais vu sur la mannequin. Et je l'ai pris avec un t-shirt comme ça qui n'a vraiment rien à voir avec le style de la jupe. Mais justement j'aime bien ce côté décalé. À porter avec des Doc Martens ou une paire de sneakers, je pense que ça peut être vraiment joli. Le t-shirt était à 15€, mais là en fait j'ai les prix classiques. Et il me semble qu'il y avait les trois quarts des pièces qui étaient en solde, même toutes presque. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens que je vous mettrai en barre d'infos, car il me semble que tout était en solde. Je l'ai pris en taille M pour qu'il soit un peu oversize, mais il me paraît encore près du corps, donc à voir, peut-être le prendre en L si vous voulez vraiment un effet maxi oversize. Mais cette petite tenue, je pense qu'elle peut vraiment être canon. Ensuite j'ai pris une tenue, bon je sais pas si c'est vraiment adapté à la saison vu le temps dans le nord, mais bon on va faire comme si. J'ai pris un chemisier très joli avec le petit col comme ça. C'est une pièce que j'ai pas du tout l'habitude de porter, mais je la trouvais vraiment belle. Je l'ai pris en taille S, 19€ pareil. Elle m'a pas l'air transparente et je l'ai pris en fait pour mettre avec ce petit short qui est trop beau. C'est un short lilas et en fait j'aime trop le fait qu'il soit vraiment mom. Vous avez la taille qui est bien serrée et en bas il est évasé. Vous avez du coup ce petit effet remonté, retroussé au niveau des cuisses, j'adore. Je l'ai pris en 34 et il était à 17€. Donc voilà, pareil, ça fait un petit look décalé je trouve avec la chemise qui est assez classique et le short qui fait un peu plus décontracté. Deuxième tenue, fan aussi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter, mais je trouvais la couleur magnifique. J'ai pris un t-shirt donc blanc tout simple pour mettre avec. Je l'ai pris en taille S, il était à 7€ et en fait la pièce principale c'est cette sorte de robe salopette. Je la trouve trop mignonne en matière côtelée comme ça en velours, c'est trop beau. Vous avez des grandes poches avec et la couleur verte, je vous le dis, c'est la couleur de la saison, j'en suis sûre, je le sens venir. J'ai acheté mais tellement de pièces vertes, donc pas forcément dans ce haul, mais vous verrez de toute façon sur Insta. Si vous me suivez toujours pas, je vous mets mon Insta juste ici. Et même dans mes vidéos YouTube, je vous montrerai, mais le vert, je vous le dis, c'est la couleur de la saison. J'adore cette couleur. Et dans toutes les teintes, qu'elles soient vert olive comme ça ou vert assez flash, je pense que vous allez en voir pas mal. On continue avec la tenue suivante. Alors j'ai flashé, en fait, ils ont fait une collection avec My Little Pony. C'est trop mignon, mais vraiment, je l'ai pris en taille S, il était à 7€, mais pareil, il me semble qu'il était soldé. C'est un crop top, il est pas trop chou, genre vraiment trop mignon. Et je me suis dit que j'allais porter ça avec un jean, donc les jeans Jennifer, je vous le dis tout de suite, c'est une tuerie. Je l'ai pris en 36, il était à 19€, c'est un mom, il est canon. Et en fait là je porte un autre jean de chez Jennifer, je l'ai pris, c'est le même mais en plus clair, et je l'aime tellement que je l'ai repris. Mais par contre moi je mets du 34 en jean chez Jennifer, il n'y en avait plus, donc je l'ai pris en 36, on verra bien ce que ça donne. Ça sera peut-être un peu plus large mais ça peut le faire. Et avec ça je me suis dit que j'allais mettre ce petit gilet, trop beau, pareil, donc en maille assez classique. Vous avez des petites rayures lilas, tout ce que j'aime. Il était à 15€ et je l'ai pris en M pareil pour qu'il soit un peu plus oversize et il m'a l'air pas mal du tout. Je trouve que les couleurs du haut vont bien aller avec le cardigan, je vous montre un peu l'association. Mais ça peut être très beau, et ça avec une paire de Air Force blanche simple, basique, et ça fait l'affaire, c'est trop beau.
plus chill du coup, on est sur un haut de la collection Smiley. J'aimais trop la collection Smiley qu'ils avaient fait. Elle était vraiment sympa et là du coup il restait cette pièce, je l'ai pris en taille S et il est à 9€. C'est un petit haut comme ça, orange, pareil, j'aime trop le orange en ce moment. Je le trouvais vraiment mime si vous avez du coup cet effet côtelé, longue manche et au bout du coup des manches et du bas vous avez ce petit effet ondulé. Très mignon et j'ai pris un jogging avec pour être assez chill. En jaune, ça rappelle le logo du coup Smiley du haut et il est vraiment pas mal. Je l'ai pris en S et il était à 15€. Vraiment très doux et comme je kiffe cette matière, vous savez, un peu molletonnée, moumoute à l'intérieur, j'aime beaucoup. Et donc voilà, le jog jaune, un indispensable de la garde-robe colorée, je vous le dis aussi, mais les jogs, je pense que je les ai dans toutes les couleurs. C'est vraiment un truc de malade, mais c'est vraiment mon must-have, un jogging et un sweat. Je peux vous dire que je suis la plus heureuse. On continue avec une tenue pour le soir, j'ai pris un petit pyjama, ils ont plein de pyjamas trop drôles. J'en ai pris un, c'est la collection Toy Story du coup je pense, vu que c'est ouais, c'est ça Toy Story, vu que c'est Monsieur Patate, enfin Monsieur Madame, très mignon, j'aime beaucoup. Je l'ai pris en SM, très très cool, et il y avait XXS slash XS, mais je l'ai pris en SM histoire d'être vraiment à l'aise et que ça soit pas serré à fond. Donc voilà, pyjama assez classique, et là le lot du coup haut et bas était à 17,99€. Passe à la dernière tenue qui ressemble un peu à la tenue avec la robe verte et le haut blanc. C'est un peu le même style sauf que cette fois j'ai pris le haut en vert. Donc ça c'est vraiment des basiques qui sont pas chers, qui sont à 7€. Et pareil comme je vous disais, je pense qu'en ce moment, si je dis pas de bêtises, parce que j'y suis retournée en plus avec ma soeur ce matin pour elle faire des achats pour la rentrée. Et il me semble que c'est deux t-shirts achetés, le troisième à 1€, si je dis pas de bêtises, donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site. Il y a plein de promos comme ça en ce moment. Je l'ai pris en S et il est déjà bien oversize. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de le surtailler du tout. Il est oversize long, donc aucun problème. Et avec ça, j'ai pris une robe salopette. Alors, je sais pas si j'aime ou pas. En fait, ce qui me gêne un peu, c'est peut-être la poche devant, vous savez, zippée. Mais je trouve que ça peut faire mimes pour la rentrée. C'est sobre, donc voilà, j'aime beaucoup, on verra porter. Mais je pense qu'avec la petite touche de verte, ça peut être sympa, même associé avec un sac vert. Ça peut être cool, donc voilà. Ouais, c'est déjà tout pour le haut de Jennifer. J'espère qu'il vous a plu, que les looks vous ont plu. En tout cas, moi je suis vraiment fan de mes petits looks, je les trouve très sympas. C'est ma première année d'ailleurs sans rentrée scolaire. Vu que j'ai fini mes études cet été, donc ça me fait très bizarre. Mais ça sera mes petits looks, même pour aller au taf et pour travailler de chez moi. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu, que mon haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre look préféré. Et à me donner aussi des idées de vidéos que vous voudriez voir pour la rentrée. Alors pour ceux qui veulent savoir, mon sweat Saint Jennifer aussi, il me semble qu'il n'est plus dispo sur le site. Je vous montre juste le dos parce qu'il est vraiment très beau. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bon courage pour cette première vraie semaine de cours et... C'était bien.